Yon l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que vous avec l'équipe Bombad Media now là depuis Bombad de police. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou encore avec yon l'autre vidéo. Gouverneur Banque Centrale là avec ministre d'éducation nationale là signé un protocole accord sur application plan national éducation financière. Et nous voulons faire connaître conseil municipal dans commune Taba inauguré une bibliothèque municipale dans commune Taba. Ces informations ça on nous porter pour si c'est première fois visiter nos informations nous partager intéressé ou pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là. Et bien nous pas perdre de temps, n'a commencé coulier. Sous plus que 7.5 millions de monde qui ont l'âge de 15 ans et plus en Haïti, de 53% de 53 monde sur chaque 100 monde qui t'a souhaité comprendre ça qui a passé dans la finance. Ça t'a dit, je t'a souhaité qu'on ait qui sa éducation financière là. Je t'a souhaité améliorer l'éducation financière yo. De façon à ce que vous compte qui gens nous fait tout ça que vous gagnez déjà augmenter, tout ça que vous gagnez déjà comment pour vous faire fructifier et pour vous compte comment pour vous faire fructifier au niveau financier, mais pour permettre de protéger la vie autour, protéger Pita si Pita plus mal avec l'économie que vous réalisez entre temps. Et c'est à partir de toute attente ça qui t'est révélé, à partir de l'enquête que nous faisons, qui fait que nous vivons nous compte que bon série de bagailles que nous apprenons. Tout le monde, que c'est dans la famille, a tout besoin un minimum de compétences pour comprendre ce qui a passé dans la finance. Le besoin au minimum compétences pour compte qui j'ai pour faire un budget. Le besoin au minimum compétences pour compte qui j'ai pour économiser. Et une chose qui est importante dans la finance personnelle, c'est que pas de quantité comme pour gagner pour économiser. Si j'ai 100 gouttes comme gain, au lieu de manger toutes 100 gouttes là, si je mange pour 90 gouttes, il n'y a pas de faire mal parce que ça. Je n'ai toujours qu'à économiser 10 gouttes. C'est juste une question de mentalité et de concept et de compréhension que l'on a. Le besoin de compétences, développer compétences, pour qu'on qui j'en m'a financé l'éducation petite main. Pour que ce n'est pas l'œil vini, je ne peux pas sous l'île. Ça veut dire que si je suis un petit monde, je dis que je suis à l'école, il faut financer l'éducation. Il faut commencer à planifier, il faut commencer à économiser de façon à ce que l'écolage apparaisse devant moi. Ce n'est pas le ça que je vais casser tête, découvrir Saint-Pierre, couvrir Saint-Paul, pour que je cherche comment me payer. Le besoin de compétences, ça y est, de façon à ce que je connais qui j'ai pour faire investissement à long terme. Qui j'ai pour économiser pour faire investissement, là j'ai besoin d'acheter un petit caille, là j'ai besoin d'acheter une machine. Mais on a besoin de son moto ou bien si c'est un bœuf qu'on a besoin d'acheter. Toujours d'après l'étude Finscope là, 80 personnes sur chaque 100 personnes dans la population vivent dans des difficultés financières. 80 personnes sur chaque 100 personnes. De 63 personnes sur chaque 100 personnes qui parviennent aucun contrôle de qui gens y a dépensé. Comme la vini, ni dépensé. Il y a 12 personnes seulement sur chaque 100 personnes qui réussissent à comprendre qui ça veut dire un produit financier. Et l'homme dit produit financier, ça veut dire un petit compte d'épargne. Ça veut dire un petit compte courant. Ça veut dire économiser. Nous voici enfin parvenus aujourd'hui, après plusieurs années de réflexion et d'échange sur la stratégie nationale d'éducation financière. Le plan qui en découle et qu'on lance officiellement aujourd'hui est le résultat tangible des avancées majeures afin de parvenir à la mise en œuvre de cette stratégie. Ce plan retrace les grandes voies qui nous ont guidés
vers l'action dans l'encadrement de nos jeunes dans les écoles et établissements scolaires privés et publics en mettant l'accent sur l'éducation financière. Il s'agit, en bout de piste, d'aider les jeunes à mieux orienter leurs décisions vers des choix économiques responsables. Ce document de politique publique est un signe des temps modernes auxquels Haïti ne peut se soustraire dans le village planétaire marqué par la globalisation des marchés et la nécessité de faire des choix plus éclairés pour aider les consommateurs et les jeunes dans la conduite de leur portefeuille. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se réjouit de s'associer à cette action qui rejoint certains aspects de la réforme de l'éducation entamée depuis plusieurs années, notamment au niveau du secondaire, avec des cours d'économie introduits dans le curriculum du secondaire rénové qui couvre les volets clés de l'éducation financière des jeunes. En ce sens, permettez-moi, mesdames et messieurs, de remercier le gouverneur de la Banque centrale d'avoir associé le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à cette démarche de construction de nouveaux savoirs pour un renouveau dans le comportement de nos citoyennes et de nos citoyens. En effet, en apprenant à nos jeunes comment anticiper et adopter de bonnes décisions dans la gestion de leurs finances, comment prendre les risques et saisir les opportunités d'investissement, nous leur offrons une nouvelle voie plus rassurante dans la planification de leur vie. Ainsi, il leur sera plus facile de transformer le savoir en capital et de contribuer à l'émergence d'une économie fondée sur la connaissance. Permettez aussi que je salue les partenaires internationaux et tous les acteurs nationaux qui nous ont accompagnés dans ce processus et qui a permis d'aboutir à l'événement du jour. Je pense spécialement à l'Alliance internationale pour l'inclusion financière et le Centre de recherche pour le développement international. Mesdames et messieurs, c'est un fait, la finance, l'économie jouent un rôle primordial lorsqu'il s'agit de croissance, de richesse et de compétitivité d'une nation. Les agents économiques qui influent sur les différents agrégats économiques ont ainsi leur partition à jouer dans l'économie nationale et leur contribution sera d'autant plus effective si ces derniers sont éduqués en matière de finance. Considéré comme le seul instrument à travers lequel toute société peut être transformée, l'éducation est sine qua non pour le développement durable et l'amélioration du bien-être humain, puisqu'elle est étroitement liée à la croissance économique. La recherche démontre en effet qu'un peuple éduqué en général, et plus particulièrement éduqué financièrement, fera des choix plus éclairés en matière de consommation et de préservation des biens acquis, en matière d'épargne et d'augmentation de ses revenus, mais aussi en matière de procréation et du temps nécessaire pour fonder une famille. Outre cette capacité à penser pour soi, l'éducation financière impacte aussi indirectement les biens publics et communs, puisqu'elle éveillera indubitablement chez le citoyen et le respect des droits des propriétés, la nécessité de stabilité politique, de la bonne gouvernance et du même coup, son pouvoir de contrôle qu'il se doit d'exercer en tant que citoyen pour demander des comptes aux élus. Ainsi, à l'heure où le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle aborde la dernière phase de finalisation du plan décennal d'éducation et de formation PDEF 2020-2030, il se félicite de collaborer à la mise en œuvre du plan national d'éducation financière. Deux documents de politique publique qui se rejoignent même dans l'optique de restructuration sociale, économique et éducative du pays. Dans cette vision, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle renouvelle son engagement aux côtés de la Banque centrale et des plus hautes autorités du pays afin de s'investir dans la mise en œuvre de la seconde priorité du PNEF, savoir l'éducation financière dans les écoles et les universités dans le but de former les enseignants et de mettre à leur disposition
le but, le grand but, de mettre à leur disposition des enfants et des jeunes des outils d'éducation financière et économique. Je salue à nouveau cette initiative de la BEH avec l'appui de nos partenaires internationaux et nationaux qui vise non seulement à promouvoir de nouveaux comportements financiers chez les jeunes, les ménages, les entrepreneurs et les consommateurs financiers haïtiens, mais aussi à mettre les femmes au centre du développement financier du pays. Une action qui s'inscrit bien dans la dynamique recherchée dans le plan décennal d'éducation et de formation pour la formation de ce citoyen novateur, autonome, ouvert sur le monde et capable de prendre des initiatives. Je réaffirme ma volonté et celle du ministère à supporter cette action pour le bien-être de nos jeunes, conscients de leurs responsabilités dans la réussite de leur vie personnelle, de leur soutien. Depuis 1804, et c'est jeudi, 25 juin 2020, nous avons signé un document de politique publique de grande importance pour ça qui signé, qui est le plan national éducation financière. Un plan national éducation financière qui appelait pour rendre gros service non seulement à jeunes, écoliers, étudiants, universitaires, mais à tout pays et à toute société. Côté, nous pourrons permettre de faire des choix éclairés, des choix bien calculés, dans ça, on va le faire comme investissement, dans ça, on va le faire comme dépense, et dans tout ça, on va le faire tout comme économie. Donc, nous pensons que bagage ça fait Jodia, c'est un événement à nous le plus pareil pour le bien des jeunes en particulier, mais pour le bien d'Haïti en général. Il est important, mariage, ça a fait entre les finances et l'éducation. Pendant trop longtemps, c'est très souvent, c'est l'heure universitaire. Hein? Ou quand on finit l'université, ou pas même quand ça s'avait dit, au chèque. Carte de crédit, c'est le soir où on va prendre sur l'État. Je ne sais pas si mais nous, depuis l'homme de l'école, qui connaît qui vient utiliser carte de crédit. Et le ministère de l'Éducation nationale fait déjà un gros effort parce que depuis notre petite classe, il mettait pour économie. Et je pense que ça parle en plus pour que les gens, les jeunes, les écoliers, depuis l'école, je connais ça, ça veut dire utiliser services et produits financiers. Ce n'est pas leur sorti, c'est depuis l'école qu'ils ont commencé à habituer avec eux. Je pense que depuis l'école qu'ils connaissent ça, ça veut dire payer taxes, toutes taxes qui existaient. Et pour qui ça taxe, c'est depuis l'école qu'ils ont commencé à parler de budget, la République, qui sacre dans le budget et comment ils ont utilisé. Et je pense que le ministre d'accord avec quoi 100%, c'est vraiment un gros pas qui est lié en termes d'éducation et de croissance financière dans le pays. Et je pense qu'avec Aflatoun, qui a expérience dans mettre en place les manuels scolaires, dans mettre en place l'éducation financière dans les manuels scolaires, je pense que le jumelage, le mariage ça, qui a fait entre Aflatoun, qui ont fait une expérience, qui a déjà fait auprès de plus de 8 millions de jeunes, vous pensez que le mariage entre Aflatoun, ministère de l'Éducation nationale et Banque de la République, c'est un élément important, un gros facteur dans le succès du programme éducation financière là, qui est supposé commencer depuis petit minute, tout petit, depuis la classe, pour prendre notion ça, de façon à ce que ce n'est pas l'heure du monde qui atterrit sur lui, le pantin sur ça ou les produits financiers, il n'y a pas de temps sur ça ou le compte courant, il n'y a pas de temps sur ça ou le compte d'épargne, il n'y a pas de temps sur un cap de crédit ou un cap de débit, il est trop tard là, ça. Dans l'ère que nous avons, dans l'ère de la digitalisation, il est fondamental que depuis l'école, si nous avons commencé à utiliser produits et services financiers, et je pense que ça, c'est un travail qui va être fait. Et mais vraiment féliciter le ministre de l'Éducation nationale là, parce que vraiment, il mettait tout lui-même et tout poil de façon à ce que l'éducation financière là, présent en dans le système éducatif noir et que l'unité une fois. Aujourd'hui, une bibliothèque n'est plus ce qu'elle fut
il y a 30 ans, il y a 40 ans. Si, il y a 40 ans, une bibliothèque était un espace, un site dans lequel on entassait des livres, la mission des bibliothèques aujourd'hui ont énormément changé. Vous savez, il y a forcément un écrivain qui est quelque part dans cette bibliothèque qui s'appelle Romain Gary. Il a eu la bonne chance, il a eu le bonheur, il a eu le feeling d'esprit d'avoir le prix Goncourt deux fois. Il a laissé une magnifique phrase dans La vie devant soi. Il a écrit pour vivre. Il faut s'y prendre très jeune parce qu'après, on perd toute sa valeur et personne ne vous fera de cadeau. Une bibliothèque est un lieu qui consacre ce principe. Ce principe qui veut que tout individu qui souhaite se construire, dans quel que soit le secteur d'activité qui l'intéresse, le lieu par excellence de construction d'un être humain, c'est une bibliothèque. Vous pouvez être photographe, vous pouvez être musicien, vous pouvez être plombier, vous pouvez être mécanicien. Le lieu dans lequel vous pouvez construire votre énergie créatrice, le lieu dans lequel vous pouvez développer la meilleure version de vous-même, c'est une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est le temple de l'esprit. Et la bibliothèque d'aujourd'hui, elle s'est réinventée. Il n'y a pas de bibliothèque aujourd'hui sans un espace public numérique. J'ai constaté au fond qu'il y a un espace salle d'internet. C'est extrêmement intéressant de garder le jeune public qui va fréquenter cette bibliothèque en contact avec le digital. On ne peut pas créer une bibliothèque aujourd'hui sans un espace axé sur la petite enfance, sur les enfants qui lit petit, lit toujours. Et c'est un projet qui est très sensible à mon collègue Jean-Emmanuel Jacquet. Comment créer dans les bibliothèques de la République des ludothèques? Dans le mandat de l'élu local, l'inauguration d'une bibliothèque représente un moment fort car elle est synonyme d'un accès à tous, à la culture, à la lecture. L'œuvre qui nous réunit ce matin part de la volonté de la mairesse de donner la même chance à tous les enfants de Tabar. Et d'une vision partagée par l'UNICA, l'OFATMA, la COMILFO, l'Association française Le Bouquet Volant et le CAZ Deuxième Bellevue, qui est de répondre à la soif de savoir, de connaissance et de découverte exprimée par les enfants, les adolescents, les lecteurs de tout âge ainsi que les personnes en situation de handicap dans la commune. La bibliothèque municipale de Tabar, c'est un lieu de rencontre et d'échange avec pour objectif majeur de mettre les savoirs à la portée de tous en abattant l'une des plus grandes barrières sociales, l'accès à la culture. Pour Gaston Bachelard, la bibliothèque, c'est un paradis. Tandis que pour Julien Green, c'est un carrefour des rêves de l'humanité. Et pour Tahar Ben Jeloun, de manière plus intimiste, il considère la bibliothèque comme étant une chambre d'amis. Connaissance, pas seulement chita dans le livre, et la fonte démonstration. Nous chantons, nous rions comme petit monde, mais comme grand monde, il faut que nous réfléchissions. Eh bien, si vous l'êtes là, c'est moi-même avant, dans l'esclavage,
Mais yon nan nou te sauvé. C'est comme ça que yon te chanté pour aller chercher. Parez-li, bon ici, parez-li, bon le bord. Mais si yon ton de dernière phrase là, ça qui passe. Parez-li pour moi. Qui pour yon lié? Pour yon cacapou. Pour qui ça lié yon cacapou? Nous ne pouvons pas qu'ils bêtent pour l'être là. Nous ne pouvons pas trahir nous l'autre. C'est ça chanter ça avec tout. Même là, on a fait semblant. Quand on est là, il y a un fusil, il y a un chien. Nous disons oui, nous barrons pour l'être là. Nous barrons. Mais là, nous est là, nous virons comme ça. Et puis à la fin, nous répondons. Mais vous comprenez qui pour nous faire? Pas pour. Ou pas pour l'être. Donc, ça a tout son bibliothèque. Pas qu'être chanté qui porte un message pour nous, qui porte un principe pour nous vivre une à l'autre. Là, à part l'histoire, il montre tout trahison par la donne. Nous sommes obligés de faire semblant, mais dans la finalité, il faut nous raconter sur l'autre. C'est toujours un moment particulièrement émouvant que celui d'inaugurer un nouveau lieu de culture et de connaissance dans nos agglomérations. Alors, ouvrir un lieu dédié à la culture et à la lecture publique est toujours une grande émotion. Monsieur Hazel vient de nous parler comment la lecture constitue la porte d'entrée par excellence des univers de la culture. C'est en effet pour cette raison que nous, à l'Université UNICA, nous nous sommes associés à la mairie de la communauté pour la mise en place de ce beau projet. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'à côté de sa mission de formation et de recherche, l'université a aussi pour mission de servir la communauté. Ce partenariat avec la mairie de Tabar s'inscrit dans le cadre de cette dernière mission de l'université. Il faut vous dire, Mesdames, Messieurs, que l'université UNICA n'est pas à ses premières armes dans sa mission de service à la communauté. Déjà, alors je vous rappelle que l'université UNICA a été fondée en 1988 par le révérend pasteur Gabon. Déjà en 1996, l'UNICA avait mis en place le programme expérimental de développement local pour pouvoir asseoir ses activités de recherche et sa mission de service à la communauté. Jusqu'à récemment, ce programme se poursuivait dans certaines villes en collaboration avec les municipalités. De plus, dans certains lieux de culte, l'UNICA avait mis en place des laboratoires informatiques. Il y a 10 ans, suite au tremblement de terre, l'université UNICA a déménagé ici à Tabar. Nous sommes en plein chantier pour construire l'un des plus grands campus universitaires du pays. L'université UNICA est membre des plus hautes et associations du pays, comme la CORPU A et l'Association des universités de la Caraïbe, la CORPU K. Comme bibliothèque publique, sa fonction consiste à donner accès au savoir, à l'information tout au long de la vie. Elle constitue un pilier important dans une société en assurant l'accès à des idées, à des savoirs et en servant de lieu de rencontre pour les citoyens et les citoyennes. Je salue également le maire adjoint, M. Philippe Tellier, qui est aussi là. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Au nom du ministre de la Culture et de la Communication, M. Bradel Riquesse, que je représente ici ce matin, et au nom de la Direction nationale du livre que j'ai l'honneur de diriger depuis fin avril 2020, je présente toutes mes félicitations au conseil municipal de Tabar, qui est présidé par la mairesse Lacris Miss Simon. En effet, cette démarche peut se situer comme étant la manifestation de l'une des compétences techniques des collectivités territoriales définies à l'article 106 du décret cadre de la décentralisation, et je m'en réjouis. La DNL, dans le cadre de sa mission de mise en œuvre de la politique nationale du livre, considérée dans sa multiple dimension spirituelle, éducative et culturelle, sera donc à vos côtés
dans ce combat. Puisque la lecture est un droit, l'État doit œuvrer pour l'exercice de ce droit au niveau national et local. Donc la création de cette bibliothèque communale mérite vos applaudissements, mesdames, messieurs. Voilà. Merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable d'entendre des informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.